Le choix du découpage, eh bien, c'est parce que, au fil de notre travail, il nous est apparu que la question des décennies était pertinente, hein, qu'on voyait vraiment des basculements se faire entre les années 80 et les années 90, entre ces années 90 et les années 2000. Donc, ce n'était pas du tout arithmétique, mais c'était plutôt parce qu'on voyait des sujets à la fois photographiques et de société qui étaient plus prégnants d'une époque à l'autre, hein. Donc, ça, c'est ce déroulement, et donc, on a voulu proposer une traversée qui permet aussi une forme de développement, hein, d'apprécier une évolution. À travers ça, on l'a coupé par quelques thématiques qui nous ont semblé fortes et qui permettaient sur trois questions, celle la question du travail, celle de la façon d'habiter et celle de la façon d'aménager nos territoires. Hein. Finalement, ce sont les trois focus, donc les lieux du travail, les grands ensembles et No Man's Land, de refaire des coupes un peu transversales dans ces quatre décennies sur des sujets qui nous semblaient assez pivots et dont la création photographique autour de ces sujets était assez forte et assez dessinée aussi. Donc d'où ces deux ensembles qui nous semblent de nouveau, il fallait une pluralité d'entrée pour cerner un sujet aussi vaste.